OK, ça, c'est le restaurant à Saint-Isidore, au Nouveau-Brunswick. C'est une franchise combinée, Planète Poutine et compagnie. Puis aussi, il y a Taza Café, qui est une franchise qui a commencé au Nouveau-Brunswick. Puis Planète Poutine, c'est une franchise qui a commencé au Québec. Je pense que c'est la première franchise qui est jointe ensemble. Entre Taza Café et Planète Poutine. Ils sont pas encore ouverts. Je pense qu'ils vont ouvrir dans 2 jours. Puis, ça fait ça. C'est comme, c'est comme divisé en deux, mais ça se rejoint. Ça fait que c'est ça. On voit le drive-through du bord Taza Café. Enfin, le drive-through du bord ici. Le menu est déjà tout fait. Je suis pas certain que le Taza Café va ouvrir en même temps que le Planète Poutine, mais ils sont pas mal prêts. Ça c'est le bord, le côté du Taza Café, le drive-through. C'est des amis qui ont ouvert ça. On est content qu'ils ont ouvert une nouvelle business à Saint-Isidore. Puis, bon, je fais le tour de la propriété. Ici en arrière, c'est le parking. OK. Ça fait que là, on en a derrière, en arrière du restaurant. Puis, de ce côté-là, ce serait l'entrée du drive-through pour Planète Poutine. On va virer. Ça, c'est le drive-thru, ça, c'est le menu. C'est le menu qu'ils ont. Ça a été construit durant l'année 2014 et l'hiver 2015. On voit que tout est pas mal déjà installé. Tout est prêt. C'est ça. J'y souhaite beaucoup de chance. Puis je pense que ça va très bien fonctionner. On avait besoin de quoi de différent, Saint-Didor. Un très beau restaurant. Je m'imagine que je pense que c'est probablement une des premières franchises Planète Poutine qui est construite à zéro. Puis je ne sais pas s'il y a d'autres franchises Planète Poutine qui sont combinées avec une autre franchise. Fait Taza Café, les autres, ils vendent du café. Des sandwichs, ainsi de suite. Puis Planète Poutine, nous autres, sont plus spécialisés, comme le nom le dit, Planète Poutine. Ils vendent des hot dogs, des hamburgers aussi. Puis ça fait que c'est ça. C'est juste pour vous montrer un ensemble de quoi ça ressemble.